menant Néri, man Néri, le savant fou. Mais oui, l'enfant des fous, comme le fou du roi, par exemple. Vous présentez, laissez-moi mon sensei à moi. Un sensei, n'est-ce pas? Il m'a légué son grand livre de la vérité. Oui, c'est le grand livre de la vérité d'Einstein. Ça n'a absolument aucun sens. Il ne révèle que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, n'est-ce pas? Même si tout est relatif. De cette vidéo surprenante que je m'en vais vous montrer séance tenante, il semblerait que la plupart des gens n'aient kiffé que le côté raciste de la chose. Mais en creusant un tant soit peu le dessous des cartes, l'on s'aperçoit très vite, speed fast et sans synthèse pyramidale relationnelle, que l'on pourrait bâtir scientifiquement une théorie non nihiliste établissant toute l'inutilité relative de l'objet en question. Mais passons donc au visionnage de l'objet du délire. À première vue, il s'agit là d'un bel ensemble de robinetteries chromées. Mais laissons donc venir un premier first utilisateur afin de voir ce qui va se passer. Une main de visage pâle pointe le bout de son nez à l'horizon et se voit ainsi gratifié d'une belle dose de mousse de savon. Au tour du second user présentement. Pas besoin d'avoir inventé la relativité pour deviner qu'il y a un souci. Et je ne parle pas de la fleur. On voit bien que la seconde main n'a droit à rien. D'où l'expression seconde main pour désigner. Mais revenons à nos moutons de savon, voulez-vous? Essayons alors une troisième main. Il ne se passe rien non plus. Ne serais-je donc point blanc? Ou mes doctorales menottes seraient-elles pleines de crottes? Mais voici reviendre notre first user. Toujours sur la main. Sans peine, du savon, à nouveau, il obtient. Par contre, pour la seconde main, toujours rien. Certains suggérèrent qu'il eût dû enlever sa bagouze. Perso, je dirais au contraire qu'il aurait dû tenter de l'utiliser pour réfléchir. Le rayon! Depuis quand une bague peut-elle servir de cerveau? Réfléchissez! Certains autres, à mon avis, des commerciaux de la robinetterie en question, suggèrent, voire affirment, avec la plus absolue des certitudes, que les petits malins ayant tourné la vidéo ne sont pas objectifs et ont parlé d'angle de la main par rapport au capteur. Ce qui permettrait de faire croire que la main passe où il faut comme il faut pour déclencher, alors que ce ne serait pas le cas. Après vue des deux vidéos, on a du mal à y croire. Il y aura des liens à la fin de la vidéo. Mais seulement si vous cliquez d'abord sur le bouton pour vous abonner. De la plupart des commentaires, il semblerait que le côté raciste de la chose ait une certaine importance. Mais si l'appareil refuse de fonctionner pour une main sombre, qu'en sera-t-il pour une main sale? J'imagine très bien un écriteau gravé dans le marbre, juste au-dessus des robinets. Ce lavabo est destiné à laver et nettoyer uniquement des mains propres et blanches. Non, 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 non! Pour moi, il semble s'agir d'un mauvais réglage de la sensibilité ou d'un mauvais choix de capteur. En même temps, une main déjà pleine de savon peut toujours en obtenir davantage. Après, suffit aussi que le candidat au nettoyage soit un poil parkinsonien pour se retrouver avec un mètre cube de savon sous la main. Et même si c'est votre cas, ça ne vous empêchera pas de cliquer là, en bas à droite, sur le filigrane, pour vous abonner, ou encore quelque part par là pour liker, ou encore par ici pour partager. Et venez vous faire consulter.